L'été dernier, j'ai eu la chance d'explorer le territoire québécois. De la région des Outaouais jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par la Gaspésie, Saguenay et Charlevoix, à la rencontre des gens, de la diversité naturelle et des activités plein air, une aventure pour vous faire découvrir le Québec, naturellement, sur les grands sentiers. En bateau, en auto ou en vélo, les îles de la Madeleine se découvrent au gré du vent, surtout à vélo, le vent dans le dos. Avec un peu moins de 100 km de long, le vélo est un moyen idéal pour explorer l'archipel. Prenez quelques heures pour parcourir l'île le long du littoral, dans les petits sentiers de terre battue. Profitez également de l'occasion pour pratiquer une multitude d'activités, des plus communes aux plus surprenantes. Le vent, maître absolu des océans, élément essentiel à la voile, celui qui nous transporte. Que vous pratiquiez ou non le kitesurf, prenez le temps d'aller admirer les prouesses des kitesurfers. Avec vitesse et agilité, c'est un véritable balai aérien que vous offrent les nombreuses voiles gonflées par le vent. La planche à voile demeure également une activité incontournable des îles. Il vous est aussi plus facile d'en louer dans les centres nautiques. Cette fois-ci, je vous amène à un endroit bien particulier, c'est à l'île Boudreau. Donc, pour se rendre à l'île Boudreau, il faut aller à l'île de Grande Entrée. Et puis, je vous amène à faire une balade en kayak. On va aller voir des baies d'argile, on va aller visiter les falaises. C'est un petit brin d'île superbe. Alors, je vais vous montrer ça en kayak. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi j'ai pris mon kayak pour aller faire un tour. Un vrai tour des îles de la Madeleine ne serait pas complet sans une excursion de kayak de mer ou de kayak de surf.
plein air, je vous dis. Venez essayer le kayak de surf, le kayak de mer, l'exploration des grottes comme ici au club vacances. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Aux îles de la Madeleine, les paysages sont à couper le souffle. L'herbe se fait bercer par le vent et chaque coin de nature nous révèle un nouveau trésor, comme ce lion qui dort. Que ce soit sur l'île Rouge, habitée par 1001 cormorans, un réel joyau de l'île de Havre-aux-Maisons, où la vie offre son plus beau spectacle. Sur l'île Boudreau, l'une des îles les plus sauvages de l'archipel, vous retrouverez une nature d'origine et des couleurs de falaise exceptionnelles. Un petit paradis pour les renards. Quel rouge! Et voyez cette mer d'argent. Dans les pâturages de fleurs des champs, la culture est riche, inspirante, et respirez ce parfum dans l'air. Mais les îles comportent également de nouvelles cultures, comme ce premier vignoble, le domaine des Salanges. Une jeune vigne y pousse, pour nous offrir bientôt le premier vin Madelineau. Plantez une à une avec amour, un terroir qui se savoure. Ma prochaine destination est l'île d'Entrée. Lorsque vous arriverez en vue des îles sur le traversier, la première terre que vous apercevrez est l'île d'Entrée. Détachée de l'archipel, l'île a été colonisée par des Irlandais et garde encore aujourd'hui son allure d'autrefois. L'île d'Entrée, en gros, là, elle se divise en deux parties, si on peut dire. Là. La partie habitée, où il y a des maisons, des rues, puis la partie qui est plus pâturage. À l'île d'Entrée, le fonctionnement, c'est un pâturage commun. Okay. Tout le monde, quand des animaux, ils mettent ça dans leur pâturage. Okay. Donc, on est ici, OK. On va marcher là, sur la rue. Là, la rue principale? Oui, c'est au PD. C'est la même? Oui. Et puis, donc, on va aller vers l'église, se diriger. On va passer devant le musée, devant le musée, le CLSC. Puis, il y a un petit sentier qui n'est pas indiqué sur la carte, là, mais on va prendre un petit sentier qu'ils ont nommé en l'honneur de Ivan Queen. C'est le sentier Ivan Queen, qui est un personnage qui a très, été très vraiment impliqué à l'île d'Entrée. Qui a été maire pendant longtemps, musicien, connu, reconnu, même sur l'archipel, donc qui est aujourd'hui décédé, mais en hommage à Ivan Queen, ils ont fait un sentier qui va nous amener jusqu'en haut du plus haut sommet des de l'archipel hein? qui se trouve à l'île d'Entrée.
donc qui n'est pas très haut, 174 mètres. Là, ça reste... Mais la vue est bonne hein, quand on contemple l'infini. Oh, oui, là. Oui, oui. Là, on réalise où qu'on se trouve là, quand on est en haut de la Big Hill. Là, on voit un peu plus là, l'archipel. Puis je voulais m'arrêter ici parce que juste derrière nous, il y a quelque chose qui fait du bruit. C'est pas mal là. Une des seules sources de son qu'on va entendre humaine. Fait que ça, c'est la production d'électricité. À l'île d'entrée, on fonctionne avec des génératrices, donc du diesel, des moteurs qui brûlent le diesel pour produire l'électricité. Ce qui fait aussi que c'est une île qui est indépendante en électricité. Ils sont autonomes dans un sens. Ils restent quand même dépendants du diesel. On va voir à côté de chaque maison des gros... réservoirs à côté de chaque maison qui contiennent aussi du diesel. Parce en que cas de panne c'est ou en fait, manque d'approvisionnement. Tous les systèmes de chauffage des maisons sont avec une fournaise au diesel. Donc, c'est un peu là, le fonctionnement à l'île d'entrée aujourd'hui. Peut-être que dans le futur, il y aura des éoliennes. Il y a déjà eu un projet d'éolienne qui a été déposé, mais qui a par contre été rejeté. Par, ouais, comme c'est pas très, très grand, c'est 7 kilomètres, donc, ouais, donc si on met ça, les éoliennes partout, ça briserait beaucoup le charme. Donc, pour l'île d'entrée, pour l'instant, ça reste ce fonctionnement-là. Donc, à partir de là, on va commencer notre randonnée. Juste pour vous parler, là, derrière, un peu plus haut, là, c'est la petite aéroport. On voit là, le petit drapeau de direction des vents. La petite aéroport qui reçoit un minuscule avion de 6 passagers. Donc, qui fonctionne l'hiver seulement. L'été, c'est par bateau. L'hiver, c'est par avion. Fait qu'allons-y. Ici, moi, j'aime bien parler des cages. Là, on a... une belle présentation, une belle exposition de cages pour la pêche au homard. C'est toutes des cages au homard, évidemment. Oui, évidemment, c'est les cages à homard. Aux îles, là, je dois dire que la pêche, c'est l'apport économique le plus important aujourd'hui. Ouais. Le tourisme vient en deuxième, mais la pêche reste fort importante. C'est l'attrait majeur. Il y a tellement de mer ici que... Bien, c'est ça. Puis c'est la raison d'être des habitants aux îles aussi, la pêche de différentes espèces. La cage, sais-tu un peu comment ça fonctionne? Oui, j'ai une bonne idée quand même. Ouais, quand en venant des îles, j'ai des... C'est vraiment le système de trappe. La fond par ici. Oui. Le homard rentre par les trous qu'on voit là. Puis dedans, il y a un gros clou. Là, parce que la cage est à l'envers, hein? Mais il y a un gros clou. Il y a un poisson dedans. Puis le poisson est planté dedans, la proie, là. Ce qui va attirer le homard à rentrer dans la cage, c'est du poisson. Souvent, c'est du maquereau, mais il y a toute une recette, là. Chaque pêcheur a sa recette. Chaque pêcheur a son appât. Oui, il y a un petit mélange, là, de la plaise, du maquereau, du hareng. Donc, ils mettent leur petite recette, là, pour attirer le plus de homard possible. Puis le homard va grignoter là-dessus. Puis ce qui le fait prendre vraiment dans la cage, c'est quand il s'aventure, parce que le homard étant de nature curieuse, il va s'aventurer plus loin. Il rentre dans le filet-là, puis se retrouve pris dans la deuxième partie. Okay. Puis ça ici, je ne sais pas si tu vois le petit plastique, là. Ça, c'est son petit hublot pour garder. Ouais, c'est... non, je suis pris. C'est plutôt la porte de sortie pour les plus petits homards. Ah, bon, c'est pas si gentil. De cette façon-là, c'est gentil. Les petits homards ne restent pas pris. Et puis là, on les voit comme ça avec du bois, mais je pense qu'ils mettent un gros poids dessus, une affaire comme... Oui, bien là, ici, on le voit un peu, le poids. Il y a une dalle de béton parce qu'une cage seulement en bois, ça flotterait, ça irait pas. Fait que juste en dessous, là, il y a une bonne dalle de béton pour que ça coule, puis que ça se pose dans le fond de l'eau. Donc, il y a 325 bateaux qui pêchent. Okay. La quantité de cages est limitée. OK. Donc, c'était 300 au début, ça diminue de 3 à chaque année pendant... quelques années, donc ils vont toujours pour, dans le même but, protéger l'espèce. Là, on connaît un peu plus sur les homards. Oui.
Vers le CLSC que tu vois là. Puis juste ici, là, on voit bien l'école. C'est la seule école de l'île d'entrée. Et puis, en termes d'habitants, il y a combien de personnes à peu près sur l'île? Environ 130 personnes qui vivent sur l'île. Fait que c'est quand même une petite communauté. C'est serré, comme on dit. Tout le monde se connaît. Tout le monde se soutient aussi. Les maisons... les gens s'entraident. Ils s'entraident. Puis, comme des raisons, c'est un peu comme sur l'archipel. Là, les gens ne barrent pas leur maison nécessairement. Tout est ouvert. Il n'y a rien qui agresse l'œil. Des fois, tu vas dans des endroits, puis des choses qui te dérangent. Mais non, ici, c'est... Ah, c'est vrai, là, ce que tu dis, il n'y a rien d'agressant. C'est apaisant. Alors, Fanny, on arrive au pied du Big Hill. Yes. C'est la plus haute montagne des îles. Hein? Ouais. 174 mètres, comme on disait un peu plus tôt, c'est 174 mètres de bonheur. Hein? Oui, 174 mètres de bonheur, juste au-dessus de la mer, avec une vue infinie sur la mer qui nous entoure. Puis il y a beaucoup de randonneurs quand même, hein, qui viennent ici expressément pour les panoramas de l'île d'entrée. Ben oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire la randonnée sur l'île d'entrée. Là. L'objectif de la plupart des gens, c'est où est-ce qu'on s'en va, la Big Hill. Mais il y a plusieurs choses à découvrir sur l'île. Il y a un petit musée, mais il y a aussi tout l'autre côté de ces collines magnifiques-là. Il y a les falaises. Hein? Oui, les falaises sont... les paysages sont magnifiques. Donc, le petit musée, il y a une petite église aussi qui est un patrimoine bâti. Et la petite communauté de 130 habitants là, qui vit sur l'île d'entrée. Donc, Fanny, je ne sais pas si tu t'es réchauffé les mollets, mais la pente a de l'air bonne. Hein? Ah oui, c'est une bonne pente. Allons-y. On y va. Oh, puis il y en a qui s'aventurent. Il y en a qui s'aventurent d'un côté abrupt. Oh ouais, c'est le bon défi. Un peu plus statique. C'est bon. Les mollets vont travailler. Ouais. Ouh! Ah, regarde ça, le pays. Quel spectacle! Hallucinant! C'est bleu, hein? C'est... Venez découvrir ça. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la santé. Tout ce qu'il faut, hein? Exactement. C'est bon pour la vie. Hey, quel spectacle! Wow! La conquête des îles. Le sommet des îles. Ici, on se retrouve à 174 mètres. On est sur le Big Hill. C'est le plus haut point en altitude hein, des îles. Oui. La Big Hill. La Big Hill. Elle porte bien son nom. Oui. Hey, c'est des pâturages hein, à perte de vue. On est ici sur le toit des îles. C'est notre plus haut sommet des îles. Mais c'est particulier parce que vu que c'est une île en soi, elle donne une vue sur tout l'ensemble des îles. On voit... On va voir comme Havre-Aubert avec le Sandy Hook, le bout du banc. Après ça, on voit la Vernière avec la belle église blanche, l'île du Cap-aux-Meules.
Par là, on voit Avromaison, puis là, si on se dirige un peu par là, mais là, on voit la grosse île. La grosse île, la grande entrée qui est plus basse, la grosse île avec des buttes un peu plus élevées. Et puis si on regarde par là-bas, ben on voit l'horizon. L'infini. Parfois, on a un mirage d'une terre de ce côté-là, c'est le Cap Breton. Fanny, on est ici à l'île d'Entrée. C'est un des trésors des îles. Ah oui, l'île d'Entrée, c'est l'île qui est détachée du reste de l'archipel. Puis effectivement, c'est un beau lieu pour venir faire de la randonnée pédestre. C'est la plus belle façon, dans le fond, de découvrir l'île d'Entrée, c'est en randonnée pédestre. Parce qu'il y a le Big Hill, qui est le plus haut sommet des îles à 174 mètres, mais il y a tout ce qui environne alentour. Hein. Oui, il y a l'arrière-pays, c'est le pâturage communautaire. Donc, c'est le lieu privilégié des animaux sur l'île. Les vaches, les chevaux, ils sont de ce côté ici. Mais c'est comme un grand parc naturel où on peut se promener là, au gré des vallons et des buttes, des sentiers que les vaches ont créés avec le temps. Là. Et puis, il y a les falaises ici. C'est comme un spectacle hein, de venir sur l'île d'Entrée. Déjà, de faire la traverse en bateau, c'est quelque chose. Mais d'arriver ici, là, comme on s'assoit là, sur un petit brin d'herbe, ça, pas trop loin de la falaise, puis là, on a tout le spectacle. Ça, c'est... Ah oui, c'est tout un spectacle. Les couleurs des falaises, là, du rouge au gris, au vert. Au mauve. Et oui, le contraste des couleurs est assez fascinant sur l'île d'Entrée. Puis juste en bas des falaises, on voit la couleur turquoise de la mer. Là. C'est assez spectaculaire, assez unique. Bon, mais je pense que nous, il nous reste un bout de l'île à parcourir. Ouais. On va-tu faire un tour? On va aller voir ça par le phare. On va aller prendre des belles photos parce qu'ici, t'oublies pas ton appareil photo. Quelle aventure! En terminant par les îles de la Madeleine, nous avons parcouru montagnes et vallées, rivières et forêts, fleuves et dunes de sable. Rappelez-vous qu'il y aura toujours un endroit pour vous, pour pratiquer votre activité de plein air favorite. En parcourant le Québec de la région des Outaouais jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par la Gaspésie, Saguenay et Charlevoix, à la rencontre des gens, de la diversité naturelle et des activités plein air, la première saison de l'aventure des Grands Sentiers s'achève ici. En espérant avoir su vous communiquer notre passion pour le plein air et avoir réussi à vous donner le goût de l'aventure, l'équipe des Grands Sentiers vous remercie et vous dit à la prochaine.